Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 6, versets 35 à 40. En ce temps-là, Jésus disait aux foules : Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit : Vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père. Que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Le discours du pain de vie se poursuit avec cet enseignement de Jésus à la foule. Cette foule désirerait voir un signe pour croire en Jésus. Elle désirerait recevoir ce pain mystérieux qui fait vivre pour toujours. Et Jésus leur explique, eh bien la véritable nourriture, c'est lui. Accorder sa foi et sa confiance au Fils de Dieu permettra d'être sauvé. Jésus le sait, la foule est venue avant tout pour être nourrie. Elle a vu les signes qu'il leur a donnés, mais pourtant, elle ne croit pas. La mission du Fils est d'accueillir ceux que le Père lui envoie. Jésus n'est pas venu pour sa propre gloire. Il est venu pour accomplir la volonté du Père et donner à l'humanité la possibilité d'être sauvée en posant un acte de confiance et de rentrer ainsi dans l'éternité du Père, dans la gloire de la résurrection à venir de Jésus. À notre tour d'entendre ces paroles du Christ et de décider si nous lui accordons notre confiance pour partager avec lui la vie éternelle en Dieu, ou si nous préférons nous tourner vers le néant. Amen.